Ah là là, ça va bien, Jérôme? Ça va très bien. Bon, tout le monde va bien? Lui? Oui. Lui, il a quelque chose à vous dire. Pardon? On est là pour prouver. Vous dites que cette personne a quelque chose à dire et que vous êtes là pour prouver? Bah venez tous alors. Venez tous. Installez-vous. Venez, madame, avec votre enfant. Alors, vous allez vous installer là. Alors, cet homme est un guérisseur, un incroyable guérisseur. Alors, vous pouvez vous dire, pipeau, bidon. Quel est votre nom, madame? Denise Le Poupon. De quoi vous a-t-il guéri? De la dépression. Vous aviez une dépression, elle vous a guéri? Ça faisait plus de 10 ans que j'étais dépressive. Avec un traitement médical, ça allait de pire en pire. Mmh. Et j'ai donc, vous m'affirmez une chose, vous n'êtes pas complice avec ce monsieur? Ah non, absolument pas. Absolument pas. Quel est votre nom, madame? Gouzien, Marguerite. Ouais. Est-ce que je peux vous demander, ne prenez pas mal, est-ce que je bon peux mal. Vous demander votre âge, oui? 68 et demi. 68 et demi. Vous étiez malade, qu'est-ce que vous aviez? Oui, un cancer mammaire. C'est-à-dire une tumeur cancéreuse au sein, oui. Du sein. Et vous aviez vu les médecins? Oui, c'est pour ça que je savais ce que j'avais. Mais vous aviez suivi des traitements par des médecins, non. Rayons? Non, j'ai refusé. Oui. Vous êtes allé voir ce monsieur? Oui, dont j'ai connu l'adresse par une camarade de travail. Et plus de cancer? Plus. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Imposition des mains. Simplement en vous touchant? Oui. Combien de fois? Oh, 4 fois, en 5 mois. Il vous a donc 4 séances de manipulation en 5 mois? Oui. Plus de cancer? Voilà. Et la dernière séance a eu lieu quand? Ça devait être en septembre. C'est-à-dire il y a environ 3 mois? Oui. Monsieur, prenez le micro de madame. Quel est votre nom? Robert Barbotin. Oui. Vous connaissez les uns les autres? Ah, pas du tout. Pas du tout. La première fois. Que vous n'êtes pas complice? Non. Enfin, vous faites. Non, non. Oui ou non? Non, je suis ingénieur. Près de la bouche. Qu'est-ce que vous aviez, monsieur? Ouais, je traînais des séquelles d'un accident de la route depuis une quinzaine d'années. Et quand et mon épouse et mes 2 filles et un artiste que je connais et que je considère comme un ami... quand tous ces gens-là ont été soignés, j'ai... Mais qu'est-ce que vous aviez, vous? Eh bien, parmi les divers maux, le plus évident, c'est que j'avais une obésité qui était forte en... Vous pesiez combien? Excusez-moi, je vais un peu vite. Vous pesiez combien? 95 et des poussières, soyons pudiques. C'est pas une obésité, 95. Vous étiez bien portant. C'est pas vous qui les portiez. Non, c'est vrai. Il vous a touché votre ventre et ça a été un régime? Non, pas du tout. Monsieur Gouesse pense qu'il ne faut probablement s'attaquer à la véritable cause et non pas aux symptômes. Oui, excusez-moi, je vais un peu vite. Qu'est-ce qu'il vous a fait pour que vous n'ayez plus cette obésité, ce que vous appelez une obésité? Oui. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il m'a posé les mains sur la tête. Voilà, il vous a posé les mains sur la tête. Madame, quel est votre nom? Je m'appelle Valérie Aguerre. Valérie, s'il vous plaît, le micro, merci pour Valérie. Allez-y. Je m'appelle Valérie Aguerre. Oui. J'étais enceinte de 6 mois, donc d'Antoine. De votre enfant, Antoine. Les médecins avaient diagnostiqué une mucoviscidose. Et, mucoviscidose, donc au niveau du fœtus, au niveau oui, fœtal. Oui, c'est ça, ouais. Oui, une mucoviscidose intra-utérine, donc. Ouais. Et je suis allée voir Philippe Gouesse. L'enfant est né et vous pouvez voir qu'il va bien. Enfant est né, bien portant. Il est bien portant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé ses mains sur mon ventre, une Très fois. Bien. Madame, quel est votre nom? Véronique Le Fur. Vous étiez malade? Moi non, mais quelqu'un de très proche de moi, très très proche, avait un cancer à un stade avancé. Et il est allé voir Philippe? Non. Attendez. J'ai porté une photo de lui à Philippe Gouesse. Attendez, vous voulez dire que... La personne qui était proche de vous, qui était atteinte d'un cancer, a été soignée simplement en envoyant une photo à Philippe Gouesse? Oui. Il a regardé la photo? Il a travaillé sur la photo. Et vous m'affirmez, vous nous assurez, il y a des millions de personnes qui regardent cette émission, vous nous assurez que la personne qui vous est proche n'a plus son cancer? Pour l'instant, tout va très bien.
Et je devais demander à Philippe Gouest de continuer à s'occuper de lui. Incroyable bonhomme, quand même. Alors, on peut être sceptique ou pas. C'est conseillé, à mon avis. Alors, je voudrais savoir, maintenant, quand vous êtes-vous aperçu que vous aviez ce que je pourrais appeler, parce que c'est assez rationnel, un don. Bon, il y a sûrement plusieurs millénaires. C'est-à-dire que je ne peux pas vous répondre quand je m'en suis aperçu, puisque j'ai tout simplement été formé pour l'être, car je suis guérisseur, tout comme ma mère est guérisseuse, ma grand-mère est guérisseuse à 87 ans, et comme l'était sa mère, son grand-père, et ainsi de suite. C'est-à-dire que je me contente d'être le maillon d'une vieille chaîne. Mais... on m'a appris à guérir, en temps et en heure, depuis mon plus jeune âge jusqu'à l'état adulte, de même que mes 5 enfants sont formés par moi-même, ma mère et ma grand-mère, quotidiennement, surtout ma mère et ma grand-mère, je n'ai guère le temps, j'ai été formé, moi, par ma mère, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère, quotidiennement. Vers l'âge de 7-8 ans, j'ai commencé à guérir ma bonne de zona, de maladie de peau, comme tout le monde. Et vers l'âge de 25 ans, je me suis installé comme véritable guérisseur. Est-ce que ça veut dire, Philippe, que vous pourriez transmettre votre savoir à une autre personne qui n'est pas nécessairement de votre famille, moi, mais lui apprendre? Je le prétends. Je prétends qu'il n'y a pas de véritable don, d'ailleurs, ce qui me regonfle un peu. C'est-à-dire que je pense que nous disposons tous de ce sens et qui, chez vous, a été gelé et fossilisé, alors que chez moi, il s'est éveillé. De même que si on ne vous apprenait pas à voir, à sentir, à entendre ou à goûter sur un jeune animal, ça a été fait plusieurs fois avec des appareillages, lorsqu'on enlève l'appareillage, le cerveau n'ayant pas appris à voir, à goûter, à entendre, etc., vous êtes sourd, avide, aveugle, avide, anosmique et agiosique. On m'a appris à guérir en temps et en heure, et un autre enfant, plutôt que le mien, eût été dans ma famille, je pense que j'aurais pu en faire un guérisseur valable. En tout cas, nous n'avons jamais essayé de prendre un étranger, donc il y a toujours une discussion. Mais j'essaye, entre le débat de l'inné et de l'acquis, et plutôt que de me prendre un peu pour E.T. et pour une personne tout à fait exceptionnelle, d'être un être humain au départ tout à fait normal, et qui a subi un enseignement venu du fond des âges, et qui est capable d'induire, donc, chez ses consultants, je préfère ne pas parler de malade, car en fait, je ne suis pas thérapeute, je travaille toujours derrière un médecin, et avant un médecin, je reconnais mon incompétence. Philippe, on regarde là un document. Regardez. Là, c'est là où vous vivez ? À côté, oui. À côté. Qu'est-ce que vous faites, là ? Apparemment, j'impose les mains à un endroit où une personne souffrait, une personne âgée, ça va être de l'arthrose. C'était la première fois que je me voyais, en fait. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? J'en sais rien. Si je suis extrêmement honnête avec vous, je n'en sais rien. L'important, c'est que je guérisse. Moi, c'est comme un dieu, quoi. Puis, il guérit, qu'est-ce qu'il a, un temps ? Alors, depuis toujours, vous avez ce don, vous avez créé l'ordre des guérisseurs. Le conseil de l'ordre des guérisseurs, qui est une provocation naturellement, mais qui est une provocation non pas à l'endroit de mes amis et collaborateurs médecins. Je vous répète, c'est une fonction que je respecte, avec laquelle je travaille journellement, dans la mesure où ce qu'ils peuvent faire, je ne peux pas le faire par définition, et vice-versa. Il y a une distribution des compétences. Eh bien, je travaille donc toujours avec le médecin, mais dans un domaine complètement différent. On m'a appris à guérir. C'est-à-dire que je vais vous expliquer très sincèrement ce que c'est. Je pense qu'on est tous comme les fours auto-nettoyants. On est tous auto-guérissants, mais on l'oublie. Donc, ce qu'il faut, c'est que je suscite en vous ces possibilités d'auto-régénérescence qui peuvent aller très loin. C'est le même phénomène, naturellement, que le fameux placebo que tout le monde connaît en médecine, c'est-à-dire que l'absorption d'un faux médicament, du lactose, par exemple, ou du miel. Attendez. Et ce faux médicament... Oui. Je vous crois, et puis ça pourrait durer 2 heures, donc on va interrompre là. Mais quand cette femme, oui, qui a 68 ans, est atteinte d'un cancer au sein, n'importe quel médecin faisant partie de l'ordre, et sérieux, je ne dis pas que vous ne l'êtes pas, puisqu'il y a des preuves, donc on ne peut pas les contester. On pourrait se dire, attendez, il faut intervenir, il faut faire ceci. Vous placez 4 fois, d'une certaine façon, qui vous est bien particulière, les mains sur les seins de cette femme, et en 5 mois, cette femme n'a plus son cancer au sein. Alors, oui, mais encore, c'est me semble-t-il, pas grand-chose. Pourquoi Mme Aguerre est plus intéressante comme cas, pourtant elle n'était pas blessée de mort, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un enfant qui a été guéri par-delà son consentement, sans effet psychosuggestif. Ce que je veux, c'est tordre le cou au fameux « il faut y croire pour que ça marche ». Ouais. Alors, ce gosse, finalement, tout comme la personne pour laquelle m'avait mandaté, Mme Le Fur, qui avait aussi un cancer très très avancé, cet enfant, tout comme cette personne, n'ont jamais su que je m'occupais d'elle. Et pourtant, elles ont guéri. Ce gosse, non seulement n'a pas la maladie de la mucoviscidose, mais n'est même pas porteur de la mutation 508, c'est-à-dire que lorsqu'on lui fait des tests, alors que à Necker, on lui avait fait répétitivement des tests à la femme, au père, à l'enfant par une amniosynthèse, lorsqu'il est né, les tests démontrent qu'il n'y a pas de mucoviscidose. C'est-à-dire que j'ai réformé le patrimoine génétique, ce qui me semble être une première.
Alors, on va interrompre là. On va recevoir des centaines, des milliers de lettres. Qu'est-ce qu'on en fait ? Vous pouvez toujours me les faire parvenir. Et le problème, c'est que je ne suis pas tributaire du système de marché. J'ai beaucoup plus, hélas, de demandes que d'offres. Je m'efforce de prendre des gens raisonnablement sains et ne pas confondre mon activité avec le service après-vente de M. Schwarzenberg ou de Lourdes. C'est-à-dire qu'à la possible, nul n'est tenu. C'est-à-dire que je m'efforce de prendre les animaux. Des chevaux D'accord. de course. Un homme sain qui vient me voir pour grimper un petit peu, c'est beaucoup plus sain que d'accord. de venir me voir pour la bêtise de l'extrême chance. On vous fait quand même parvenir les lettres que nous recevons, d'accord ? Bien sûr. Parce que je suppose que ce soir, pour beaucoup de gens, en cette fin d'année 1990, pour beaucoup de gens qui nous regardent, vous êtes aussi un espoir. C'est une forme de cadeau de Noël. Mais il ne faut pas que vous soyez un charlatan. Alors c'est pour ça que j'ai fondé le Conseil de l'Ordre, c'est pour lutter contre les charlatans. C'est pas un charlatan ? Vous pouvez le dire, attention, nous sommes responsables, on passe à la télévision. Il y a des gens qui regardent. Vous pouvez le dire ? Oui, bien sûr. Vous le dites ? Ça vous engage, et j'espère de tout cœur que ce que vous faites va pouvoir en soulager d'autres. Et ben moi aussi, on peut vous applaudir, hein.